Votre pseudo, un Solo, ça vient bien sûr d'un personnage de Star Wars. Hein. Oui, c'est de Han Solo, la Guerre des Étoiles, parce que quand il est sorti, j'avais 13 ans, j'étais ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la communication autour des films, le cœur de cible. Ouais, c'est je ça. Découvre ce film au Grand Rex à Paris, pour ceux qui ne connaissent pas cette salle, il faut y aller au moins une fois dans sa vie, c'est un spectacle en soi, la salle, je découvre ce film, et à l'époque c'était les... Vous savez, les séances permanentes, on payait le matin et on pouvait rester au cinéma toute la journée. Et je l'ai regardé 3 fois de suite avec des potes. Le film dure 2 heures, 2 heures et demie. On est resté toute la journée, fasciné. C'est la première fois, il faut voir le choc que ça a été pour des enfants de 13 ans et même les gens en général de voir ce film. Avant, il y avait eu 2001 Odyssée de l'espace, mais qui restait presque un film d'auteur de Kubrick. Et puis, il y avait une ou deux fois ce trucage. Mais là, les lasers, le personnage d'Arth Vador... Puis Han Solo qui arrive. Et vous, c'est pour ça que vous avez choisi Bruno Solo. Plus tard, quand il s'est agi de me trouver un pseudo, parce que mon vrai nom c'est Bruno Lassalle et que je travaillais avec Yvan Le Bolloc et que pour le coup, lui c'est son vrai nom. Bolloc et Lassalle, ça sonnait pas très bien. Yvan et Bruno, ça faisait un peu Cabaret Michou quand même. Et on s'est dit. Yvan et Bruno, bonjour. Ouais, bonjour. Et donc voilà, il m'a dit il faut que tu trouves un pseudo. Et en cherchant, voilà, j'ai choisi le nom de Solo parce que c'est quelqu'un qui m'avait marqué quand j'étais jeune. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.